Omtahan TV présente aujourd'hui des cours de français dans les matières suivantes, la lecture compréhension et la production écrite dédiée aux élèves de 6e année primaire. Ça veut dire que Omtahan TV présente des cours dans les matières suivantes, l'inchaï de la langue française, les faïdes des enfants de la SEDS. لان ابري ان سونداج في واحد درنا واحد استماره لقينا بان هاد لي دو ماتيير هاد المواد بجوج كتشكل واحد تحدي بالنسبه لهاد الاطفال دونك ليتس جو شيرز اليف سي فاسيل سي اميوزون هذا هو الشعار ديالنا سا فو دي اون بو يعني انا نقدروا دونك لو سيكري دو لا ريوسيت كنلقاو العظماء ديالنا والعلماء علاش ناجحين في كانوا ناجحين في حياتهم وخلاو لنا المعرفه اللي عايشين بها الى يومنا هذا لانهم كانوا كيبغيو داكشي اللي كانوا كيديروا صافي دير ils ont aimé ce qu'ils faisaient donc pourquoi pas on fait la même chose وناخذوها بمتعه اول شيء هو comme d'autres métiers un médecin a besoin des outils un menuisier a besoin des outils pour travailler Un coiffeur a besoin des outils pour travailler. Même votre maman à la maison a besoin des outils pour faire un repas pour toi. Yani, donc, on a besoin d'un langage de travail. Comme animation, comme distraction. Donc, à connaître ce qu'on doit connaître. Lire. يعني انك خاصك تقرا écrire ou bien rédiger يعني انك مطالب انك خاصك تكتب souligner on a besoin d'une règle وخاصنا نسطروا هذيك الكلمه المطالب ان نسطروا عليها entourer ou bien encercler واحد سيركل هذيك الكلمه اللي قلنا ندوروا عليها barré tout le monde connaît barré خاصنا نشطبوا عليها relier c'est comme un jeu comme vous jouez dans la récréation يعني انكم كتشدوا من يديكم صافي دي سيل بخط صافي دي ان خاص هذوك الكلمات parfois vous avez deux parfois vous avez trois ça dépend يعني انكم خاصكم تسيلو بخط copier خاصك تنقل هذاك النص اللي معطيك انك تنقلو remplacer c'est facile ancien mot avec un nouveau mot شوفوا هذا الشيء معنا ان كلمه قديمه غتبدلها بكلمه جديده identifier تعرف ان خاصك تعرف دونك هاد المفردات اللي شلنا باش ان نشدوهم ونتعرفوا عليهم ناخذهم كوم ان جو اي chers élèves prenez les choses comme un plaisir الحمد لله ان هاد السن ديالكم عجيب لانه الي plein d'imagination دونك هاد لونريشيسمون اللي عندكم في لو سيرفو ديالكم laissez vous bercer rêver jouer et s'amuser Donc, nous avons autre vocabulaire relatif au traitement d'un texte. يعني باش نشتغلوا لواحد النص خاصنا نعرفوا واحد دي فوكابولير. Un mot. اللي كيقول لك بحث على un mot ولا عطيني un mot يعني انها كلمه وحده. Un seul mot. Une phrase. Ça veut dire واحد الجمله اللي كتكون من ثلاثه ديال لي بارتي. Sujet, verbe et complément. Parfois, quand la voix est très petite, parce qu'elle est un peu détaillée, qui est le groupe nominal, sujet, est très petite. Donc, mais une seule phrase, une ligne, يعني سطر. Un paragraphe, c'est un ensemble de lignes. يعني كيكون parfois, quand on a deux, trois, quatre, cinq lignes, point, ou quand on a un peu de sطر, ou quand on a un espace, ça veut dire qu'on a un paragraphe ثانيه. Un texte.
Qu'est-ce que ça veut dire un texte? Un texte, c'est un ensemble de paragraphes. Parfois, quand le texte fait deux paragraphes, parfois quand le texte fait trois, parfois quand le texte fait quatre. Ça dépend là les paragraphes. Mais là, je fais tout comme un paragraphe. On a quand dire une note ou quand rejoue, quand dire une distance entre eux ou comme deux paragraphes autres. Ça veut dire que le texte fait plusieurs détails ou les gens chauffent au fait dans un autre, inshallah, on sait voilà les parties de d'un texte. Donc, finissons à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à partager ce que vous avez vu avec vos amis et n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne pour avoir des nouveaux au fur et à mesure. À bientôt, à la prochaine séance, inshallah.